Salut, salut tout le monde, je viens vous faire rapidement une mise à jour de multi-wallet, comme il m'a appelé maintenant. D'accord, donc là vous avez vu, j'ai pris très rapidement les slides de Steven. Vous connaissez tous Steven, on a mis à jour au plateau dans le super samedi parce que ça urge et c'est important que vous ayez l'information. Je vais juste aller vous montrer rapidement comment confirmer vos cartes en action pour pouvoir l'avoir sur la plateforme de TPM. D'accord? Donc, ça, on n'est pas ici d'après expliquer encore les cartes, c'est quoi, tout ce qui est son problème. Ce problème-là, rapprochez-vous un peu de vos sponsors. D'accord? Donc, on va passer bien évidemment. Le principe était que tout le monde ait. Le principe est que tout le monde ait l'application DPL, comme vous pouvez le voir ici, sur son portable. Donc, il suffit de télécharger si vous avez des téléphones Android ou sur des iPhones. Mais ne vous inquiétez surtout pas si vous n'y arrivez pas, parce que moi-même, j'y arrive pas. Mais on a toujours moyen d'accéder à la plateforme DPL, soit via le back office en ce moment, en cliquant sur comme vous avez fait dès le départ, et ça va vous orienter sur TPM. Et là, dans le futur, si c'est que vous avez toujours besoin d'accéder, il vous suffit de taper le lien de TPM que vous voyez là-haut, et ça va vous amener sur cette même page. Donc, on a une semaine pour ceux qui n'avaient pas pu télécharger leur carte ou dans le passé, en une semaine pour pouvoir le faire encore, pour leur redonner la possibilité à tout le monde maintenant de pouvoir être à la page. D'accord? Donc, quand vous arrivez sur cette page, bien évidemment, vous cliquez sur connecter. Mais avant de vous connecter sur login, hein, donc vous voyez, il y a s'enregistrer et login. Mais avant de faire ça, choisissez la langue, hein, parce que si vous cliquez sans choisir la langue, il va automatiquement vous le mettre en anglais. D'accord? Donc, choisissez vraiment la langue. Vous pouvez cliquer là, le français. Donc, vous cliquez là sur le drapeau français, ça va vous. Une fois que vous avez cliqué dessus, si vous êtes déjà enregistré, bien évidemment, vous avez cette page-là. D'accord? Sur cette page-là, vous avez en haut, vous avez le petit bonhomme. Le petit bonhomme, c'est votre compte. Donc, ça va vous donner vos informations. Donc, vous aurez des informations telles que votre pseudo, votre numéro de téléphone, votre email adresse et votre adresse de domicile. D'accord? Donc, là, c'est là où vous aurez toujours vos informations personnelles, les trucs qui sont. Ils sont corrects. Et de l'autre côté, quand vous allez cliquer, parce que si vous voyez ici dans l'image, dans cette image-ci, quand on arrive ici, on a le petit bonhomme, ça, c'est nos coordonnées. Et là, sur la petite cloche, ce sont des notifications. Donc, on nous dit ici, il faut cliquer sur la notification. Donc, vous voyez, il y a un petit 1 sur cette notification. Donc, cliquez dessus. Et quand vous allez cliquer sur cette notification, elle va vous amener ici. Donc, sur l'image de gauche. Donc, c'est l'image de gauche que vous aurez. Vous allez voir du moment où vous cliquez sur la notification, sur la petite cloche qui est là-haut. Donc, on va vous demander de télécharger votre document. Donc, on va commencer par télécharger le selfie. Dans le selfie, c'est une photo de vous. Vous avez trois options quand vous cliquez sur télécharger le selfie. La première option, c'est la caméra. Donc, vous pouvez cliquer sur la caméra et elle vous permettra comme ça de prendre la photo instantanément. C'est très simple, c'est en quelques secondes. Donc, pour cela, rassurez-vous juste que vous n'avez pas de lunettes, que vous n'avez pas de chapeau, que votre visage est bien dégagé et que vous soyez derrière un mur neutre, un mur blanc, un mur noir, mais qu'il n'y ait pas d'objet derrière, quoi, que ce soit vraiment derrière un mur pour vous donner des chances que ça passe une seule fois, pour ne pas avoir à la refaire 10 000 fois. Donc, rassurez-vous, comme pour une pièce d'identité, il faut un mur neutre, d'accord? Donc, vous avez la possibilité soit de prendre, d'utiliser la caméra et de la faire tout de suite, ou de télécharger un fichier photo, ou de prendre la photo déjà dans votre portable. Donc, vous avez les trois options, vous choisissez l'option qui vous correspond. Une fois que vous avez cliqué sur télécharger la photo, le selfie, vous avez ces trois options-là. Une fois que ça c'est fait, ne cherchez pas la photo, elle vous le montrera pas. Hein. Elle va vous tiquer en bleu, comme vous voyez sur l'image de droite, pour vous dire que voilà, vous allez télécharger le selfie. Vous passez pour la pièce d'identité, c'est pareil. Soit le passeport, soit la carte d'identité, soit le permis de conduire. Donc, vous vous rassurez aussi que soit vous cliquez sur l'une des trois options, la caméra. Si la caméra s'affiche, vous faites une photo de votre pièce d'identité.
Mais rassurez-vous qu'il n'y a pas de reflet, que tout est bien à l'image et que c'est vraiment visible. Ne vous empressez pas pour le faire. Prenez vraiment le temps, d'accord? Et une fois que vous avez téléchargé votre document, il va ticker en bleu pareil, d'accord? Et là, vous passez maintenant sur le justificatif de domicile. Le justificatif de domicile, ça peut être un contrat de téléphone, ça peut être votre facture d'électricité, de gaz et tout. Mais pour ceux qui n'en ont pas, surtout dans les pays africains, ne paniquez pas, ça vous laissera passer quand même sans ça, d'accord? Il vous suffira de télécharger, par exemple, si vous aviez un passeport, télécharger en dessous votre carte d'identité, par exemple, ou si vous aviez le permis de conduire, donc vous téléchargez un autre document, ça va vous passer quand même. D'accord? Mais ceux qui ont, s'il vous plaît, ceux qui ont des pièces justificatives faibles, c'est très simple, ça y va. Et là, ça va vous mettre en bleu toutes les cases que vous avez téléchargées. Et tant que les trois documents ne sont pas téléchargés, ça ne vous donnera pas la possibilité. Là, vous partez, en bas, ça va s'afficher maintenant pour que vous confirmez que vous avez bien téléchargé vos documents, que ça a été accepté, c'est plutôt ça, parce que vous allez vous rendre compte que peut-être ça ne va pas passer du premier coup, c'était mon cas, mais je n'ai pas paniqué, j'ai dû refaire encore plusieurs fois, j'ai dû refaire le selfie, j'ai dû refaire la pièce d'identité jusqu'à ce que ce soit au bon format. Et une fois que ça a été au bon format, ils m'ont permis d'avoir le bouton vert pour le télécharger, pour le confirmer. D'accord. Et une fois que vous avez confirmé, cette page va s'afficher où il y aura votre pseudo dans votre cabinet de chez Dupierre. On va vous demander de toujours prêter attention quand vous allez assister de l'autre, donc de rester toujours, prêter toujours attention à la petite cloche pour les notifications parce qu'on va avoir régulièrement des notifications. Et après, on va te dire, viens maintenant signer ton contrat. D'accord. Donc, il y aura ce bouton vert qui va te demander de signer ton contrat. Le moment où tu acceptes de signer ton contrat qui est définitivement dès que vous voyez en action, je dis bien, cette page va s'afficher pour te donner tes informations personnelles. Là, ce n'est pas ton pseudo, hein, c'est ton nom, ton prénom, ton adresse, d'accord, où tu vis. Et vous allez remarquer qu'immédiatement, vos actions sont déjà là. On te dit exactement combien d'actions tu possèdes. Comme vous pouvez voir, cette image, cette personne possède 645 actions. Et là, de l'autre côté, on te donne vraiment la date à laquelle tu as signé ton contrat et on t'explique vraiment le contrat a été signé entre toi et DPS. Pour certains, les gens vont commencer à paniquer dès qu'ils entendent signer un contrat. Mais c'est bon, les contrats te protègent et ça protège la compagnie, sinon tout le monde fait n'importe quoi. D'accord, donc il faut des règles. Donc ça, c'est bon parce qu'avec ton contrat, une fois que tu l'as signé, d'accord, tu as ton document qui prouve, même avec ça, tu peux aller n'importe où, qui prouve que tu as quelque chose sur la main, tu as un dossier qui protège tes actions. D'accord. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que, voilà, ici, moi, je suis en Angleterre et nous, nos compagnies, pour savoir si une compagnie est légale, il faut qu'elle soit enregistrée dans Company House. Ça, c'est le gouvernement, ça ne veut pas le commerce. Donc, Company House, c'est vraiment la chambre de commerce. C'est là où le gouvernement autorise ou rejette. Donc, quand quelqu'un tape le numéro de la compagnie et que ça arrive, que vous le savez, comme vous le voyez ici, Company Statue active. Donc, dès que tu tapes ça sur Google, parce que là, ça n'a rien à voir avec Travois, ça n'a rien à voir avec DPM, ça c'est directement le gouvernement anglais. Puisque dit quelqu'un de te dit, oh, je suis enregistré au UK, je suis légal au UK, alors qu'il n'est vraiment enregistré nulle part, vous n'avez aucun moyen de le savoir. Là, vous pouvez aller maintenant dans Company House, qui est la chambre de commerce, vous tapez ce numéro d'enregistrement de petit pied, et on va vous dire si la compagnie est active ou pas. On va vous donner la date de son enregistrement et sa localisation, d'accord? Et vous pouvez encore cliquer pour plus d'informations si vous voulez, si elle savoir un peu plus de, donc, qui sont les directeurs, parce que tous ces directeurs, tous ces actionnaires, combien d'actionnaires qui ont enregistré la compagnie, tous ces détails, vous pouvez les avoir. Donc, ça, c'est vraiment pour vous rassurer, pour vous dire que c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du légal, c'est vraiment du propre. D'accord? Donc, ça, c'est fait. OK? Maintenant, une fois que vous avez cliqué pour accepter les termes et conditions, on va vous donner vraiment tout le contrat détaillé. Vous allez avoir un petit un détail sur pourquoi vous signez, vos droits, les droits de DPM ainsi.
Et c'est bon. Donc, après ça, quand vous avez vraiment vu tous les termes et conditions et que vous êtes vraiment satisfait, il vous suffit maintenant de cliquer sur cette case, vous devez la cocher, elle piège comme ça, vous devez la cocher. Et ça va vous demander de confirmer maintenant que. Et aussi, ne vous inquiétez pas si ça ne s'est pas du premier coup. C'était mon cas, ça ne s'est pas vu du premier coup. Donc, j'ai essayé de tricoter là. Il y avait là où il y avait les termes et conditions. C'est bon. Vous voyez, quand vous allez voir tous ces différents termes et conditions, il y aura, on va vous dire, termes et conditions, si je veux lire un peu plus en profondeur. J'ai juste cliqué dessus pour lire. Après, il va voir, on me dit, est-ce que tu as compris? Et j'ai cliqué, oui, j'ai compris. Got it. Ça, c'est un anglais. Et puis, je suis ressortie de là, je suis revenue et c'était bien. Donc, pour d'autres personnes, ça va d'un coup. Mais pour ceux qui sont, parce qu'on dit souvent têtu comme son partenaire, donc peut-être pour ceux qui sont un peu têtu comme moi, ça va un peu de fil à l'autre, mais c'est pas grave, OK? Donc, on reviendra toujours. C'est juste pour vous permettre de ne pas être anxieux quand vous le faites. C'est vraiment très simple. Lâchez-vous, amusez-vous, prenez plaisir à le faire. C'est quand même votre fortune qui dort. D'accord? Et une fois que vous avez signé ça, on vous dit, voilà, le succès est là. Vous félicitez, vous avez comme, ça c'est un peu comme votre certificat. On vous dit félicitations. Tu es devenu maintenant un vrai actionnaire de la compagnie JPF. Donc ça, c'est un peu comme ton certificat qui prouve que voilà, ça, tu peux aller n'importe où, tu peux aller dans les tribunaux. Ça, c'est vraiment scellé, quoi. Voilà, c'est pour toi, ça t'appartient. Tu es actionnaire légalisé. D'accord? Donc, et après ça, quand tu as cette page, il te suffit de cliquer n'importe où. Et quand tu vas cliquer n'importe où sur ton portable pour sortir de cette page-là, on va maintenant te donner ta page d'accueil de JPF, comme on le voit régulièrement. Sauf que là, il est plus vierge. Il possède là déjà les actions que tu possèdes chez Cravon, chez JPF. D'accord? Donc, instantanément, tu vas pouvoir comme ça voir le nombre d'actions parce qu'après, tu vas pouvoir faire les transactions sûrement dans le chat. Mais là, en temps réel, tu pourras voir bel et bien que tu viens de signer ton contrat, on t'a donné ta lettre de félicitations et là, tu peux voir tes actions en live. Okay? Donc là, on est à ce niveau et bien évidemment, comme vous voyez, il nous demande de rester focalisé sur la petite clochette là pour attendre les notifications parce que ça ne fait que commencer. D'accord? Donc voilà un peu ce que je voulais vous donner comme update pour la multi-wallet et passez l'information rapidement, vous n'avez qu'une semaine pour le faire. Chaque personne qui reçoit l'information, faites-le instantanément. Vous pouvez le faire de votre portable. C'est instantané, ça ne vous prendra pas 5 minutes sur tous les documents qu'il vous faut. D'accord? Sur ce, voilà. Rendez-vous au sommet, les amis.